de finale du championnat de plaidoirie opposant le laboratoire HEC et la Joute de Vinci. À l'issue de ce match, nous aurons une équipe qui passera en demi-finale et qui se rapprochera de la grande finale le 3 juin au sein de l'hémicycle du CESE au Grand Palais de l'INA. Pour ceux qui ne le savent pas, et pour ceux qui le sont aussi, c'est toujours bien un petit rappel des règles, vos discours doivent faire entre 4 minutes 30 et 5 minutes 30. Je taperai sur la table à 4 minutes 15 pour vous signifier qu'il vous reste 15 secondes pour rentrer dans le temps réglementaire. Je vous demanderai de conclure à 5 minutes pour vous signifier qu'il vous reste 30 secondes pour ne pas dépasser le temps. Il y a 5 minutes 30, je vous demanderai pour un soir. À l'issue de votre plaidoirie, l'équipe adverse vous posera une question. Enfin, l'orateur de l'équipe adverse vous posera une question à laquelle vous devrez répondre. Ensuite, l'orateur adverse aura une réfutation et vous aurez encore une fois à votre tour une réfutation et l'occasion de lui répondre. Vous avez le droit à un chronomètre, vous avez le droit à votre téléphone. Toutefois, le chronomètre que j'aurai moi et qui commencera à votre premier mot fera foi. Le thème de ce soir, c'est le pardon. Donc, pour le premier sujet, le pardon est-il une forme de liberté? J'appelle donc à la positive le premier orateur d'HEC. On a tiré sur le pape le 13 mai 1981, alors que Jean-Paul II se prépare à donner son audience hebdomadaire place Saint-Pierre devant 20 000 fidèles. Il est atteint par deux balles, dont une dans l'abdomen. Il s'écroule dans la papa mobile sous l'effroi de la foule qu'il voit déjà perdre une partie de son sang. Opéré en urgence, le pape survit miraculeusement et Benoît XVI est contraint de s'appeler encore Joseph Ratzinger pour 20 ans. Mais là où cette histoire est intéressante pour notre sujet de ce soir, c'est dans ce qui se passe 2 ans et demi plus tard. Le pape décide de rendre visite en prison à son agresseur et engage le dialogue avec lui. Et alors même que l'assassin n'exprime aucun regret quant à son acte, Jean-Paul II lui pardonne. L'événement provoque la stupeur et l'admiration dans le monde entier tant il est inhabituel. Et ce caractère exceptionnel de l'acte de Jean-Paul II est déjà le signe que le pardon est un choix. Un choix osé, un choix rare, un choix courageux, mais en tout cas bien un choix qui témoigne d'une volonté libre. Car pardonner, ce n'est pas oublier les injustices ou minimiser la gravité des faits commis. Ce n'est pas un acte passif, non, c'est un acte conscient de renoncement à la rancune et la colère, un choix délibéré de soulager son esprit des fardeaux qui l'entravent. Ce qui fait le caractère exceptionnel du pardon, c'est le fait qu'il implique deux personnes de manière totalement asymétrique. Et c'est sur cette dualité que je vais m'appuyer, en montrant que le pardon libère doublement à la fois la personne qui est pardonnée et la personne qui pardonne. En ce qui concerne la personne qui est pardonnée et qui a commis un mal considérable, elle a une dette envers l'autre qui l'oblige. Même l'agresseur de Jean-Paul II en avait une, même s'il en avait manifestement rien à faire. C'est la base de la morale, c'est ce qui nous distingue des animaux. Et bien, cet acte du pardon qui est gratuit, la libère de ses obligations. Quand on est pardonné, on reçoit ce poids en moins de savoir qu'on est à nouveau à égalité avec l'autre, qu'on est le débiteur, qu'on repart de zéro. Réciproquement, celui qui pardonne se libère de ses passions tristes qu'il asservissait jusqu'alors. On a tous en tête ces deux amis toujours, acolytes pendant 30 ans, qui se sont un jour disputés et qui ne se reparlent plus. Zola et Cézanne, Sartre et Camus, Garcia Marquez et Vargas Llosa, William et Harry, la liste d'exemples est interminable. Voyez comme ils sont esclaves de leurs émotions et de leur orgueil personnel, comme ils n'ont qu'un seul choix, celui de la rancune et de la vengeance, et donc pas de choix du tout. Au contraire, le jour où William et Harry donneront sa chance à la paix, ils auront enfin un vrai choix entre deux options, rancune et pardon. Et c'est là qu'on voit que le pardon est toujours une option supplémentaire, qu'il apporte une solution. Pardonner, c'est ne pas être l'esclave du passé, mais se projeter dans le futur, ne pas être l'esclave de ses émotions, mais en devenir le maître. Personne ne le dit mieux qu'Oasis dans sa célèbre chanson
Don't look back in anger. Ne regarde pas ton passé avec colère, mais accepte-le grâce au pardon. Est-ce que vous vous rappelez de la une du Charlie Hebdo juste après les attentats en 2015 qui avait fait un record de vente? Le titre c'était « Tout est pardonné ». Il disait bien le lien organique entre cette liberté si chère au journal et le pardon qu'il apportait aux terroristes. Qui imagine sérieusement les terroristes pardonner les caricatures sulfureuses de Charlie? Et c'est là qu'on voit que ce qu'on a dit précédemment à une échelle individuelle devient vrai à une échelle collective. Les sociétés, comme la Turquie post-génocide arménien qui ont refusé le pardon, sont encore les sociétés qui ne garantissent pas la liberté à leurs membres. Au contraire, celles qui ont fait un vrai travail de mémoire, de réconciliation et de pardon ont rendu possible cette liberté. L'Afrique du Sud post-apartheid de Nelson Mandela en est un bon exemple. Entre liberté et pardon, finalement, ce n'est donc pas une implication, mais une équivalence. Alors certes, demander pardon et pardonner, c'est difficile, surtout dans le monde actuel. Qui imagine Zemmour ou Mélenchon demander pardon pour, à tout hasard, des propos un peu polémiques? Ce qui compte, c'est l'ego, ce qui compte, c'est le buzz. Face à ça, celui qui pardonne est anticonformiste. Il fait le choix difficile d'être magnanime, d'accepter qu'une injustice qu'il a subie ne soit pas entièrement réparée. Quand en plus l'agresseur ne demande pas pardon, n'est pas jugé pour ses actes, celui qui pardonne est d'autant plus courageux. Et même quand c'est le cas, la blessure est telle que le pardon n'est pas évident. Bref, pardonner, c'est difficile. Mais une chose est sûre, à long terme, c'est le seul choix viable pour l'homme qui veut être libre. Ne pas pardonner, c'est se placer soi-même comme bourreau. En quoi le pardon ne serait-il pas imposé moralement? Eh bien, je pense que, de ce point de vue-là, c'est une définition différente de la liberté qu'on a. Moi, je pense que la liberté, c'est justement la liberté de ne pas obéir à des codes sociaux qui nous seraient imposés, mais c'est la liberté d'agir moralement. Et de ce point de vue-là, le fait d'accepter, de demander pardon, de donner le pardon, c'est bien respecter cette liberté d'agir selon ce que sa conscience nous dit que c'est bien. Mais dans ce cas-là, en choisissant de pardonner, on enferme, si on décide de ne pas pardonner, alors on va se placer comme bourreau, puisque vous voulez agir moralement. Mais dans ce cas, le pardonner aura toujours la culpabilité de ses actions, qui peut revenir bien plus tard, et cette culpabilité va l'empêcher d'avancer dans sa vie. Mais je pense que la culpabilité, elle n'a rien à voir avec le pardon. Enfin, dans tous les cas, il pourra ressentir une culpabilité. Mais là où le pardon est une forme de liberté, là où il apporte un supplément de liberté, c'est justement qu'il rend au moins possible l'absence de cette dette, l'annulation de cette dette qui existait. Donc c'est un progrès vers la liberté, et je pense que ça valide ma thèse. Chers contradicteurs, je crois ici que vous traversez le sujet sans en saisir la complexité. Quand vous dites que le pape arrive à pardonner et que le pardon libère la victime, je pense qu'en disant cela, vous ignorez toutes les injonctions de nos sociétés judéo-chrétiennes qui placent le pardon comme central et qui nous l'imposent. En effet, si vous ne pardonnez pas, vous êtes un égoïste. Si vous ne pardonnez pas, c'est vous qui vous placez en bourreau. Et maintenant, en maintenant celui qui vous a fait du mal dans le poids de sa culpabilité. Donc ici, il y a une pression sociale, une pression religieuse sur le pardonneur qui n'a d'autre choix finalement que de pardonner.
Ensuite, le pardon n'est pas une liberté d'esprit où on serait détaché du mal causé. Il ne permet en rien une certaine ataraxie, une tranquillité d'esprit. Car si ma conscience m'interdit de justifier l'acte mauvais, elle m'ordonne au minimum de le comprendre. Pour que la victime pardonne entièrement au bourreau, elle doit, ne serait-ce qu'une fois, se placer à la place du bourreau. Pour qu'il ne reste plus aucune goutte d'amertume, plus aucune goutte de ressentiment, la personne qui donne le pardon doit se travestir en celui dont elle a toutes les raisons de haïr. Sauf que de cette manière, monsieur, elle s'enferme. Oui, elle s'enferme dans une tentative de comprendre les causes et les raisons propres au bourreau. Mais cette compréhension, elle est impossible, elle est inaccessible. Comment la mère qui a vu sa fille se faire tuer par un assassin pourrait-elle avoir connaissance des passions, des raisons propres au tueur de sa fille? Ainsi, à chaque fois que l'on veut pardonner, la victime rentre dans un cercle dont elle ne peut sortir. Elle est complètement dépendante du mal et d'ailleurs n'en connaît pas les causes. Elle n'est en rien libérée, au contraire, elle est enchaînée, tiraillée de toutes parts entre sa volonté de pardonner, mais l'impossibilité de revêtir la peau du tueur. Dans un second temps, le pardon n'est pas non plus une liberté de choix. On a vu que le véritable pardon ne peut se faire car on ne peut pas se placer à la place d'autrui. Pourtant, il y a des personnes qui disent « Moi, j'ai pardonné. » Comment se fait-il ? Bien parce qu'on nous pousse au pardon. Le pardon est de trop, c'est un pardon pour être bien vu. On pardonne toujours de trop. Alors, les facteurs sont multiples. On a premièrement la religion, par exemple dans la religion chrétienne, juive, c'est un devoir de pardonner. On ne pardonne pas par pur amour, mais on pardonne pour suivre la religion, pour suivre les préceptes, pour ne pas devenir à notre tour un pécheur. Ensuite, le second facteur, il est social. On ne pardonne pas parce qu'on a compris l'autre. Mais on va pardonner parce qu'on veut éviter un conflit, parce qu'on veut éviter que la situation ne dérape. Enfin, le dernier facteur, c'est la santé mentale. Lorsque la victime veut passer à autre chose, eh bien, elle va vouloir pardonner pour oublier. Mais encore une fois, c'est sous la contrainte. Et la contrainte, monsieur, c'est tout sauf la liberté. On comprend qu'il ne peut y avoir de pardon sincère sans arrière-pensée. Et Jésus dit, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Cher jury, pardonnez mon contradicteur, il ne sait pas ce qu'il dit. Lorsque vous dites que le pardon libère le pardonné, il ne fait rien de la culpabilité. La culpabilité, elle est toujours là, elle n'est pas essuyée, elle ne disparaît pas comme ça. Elle reste encore des années bien plus tard. Et finalement, vous maintenez le pardonné, vous le noyez dans ses remords et dans sa culpabilité. C'est le cas de Stravosgin dans Les démons de Dostoïevski. Celui-ci a violé une femme, une fille, l'a vu se suicider dans un placard, il ne semblait avoir aucun remords. Pourtant, bien des années plus tard, cet événement le rattrape. Je pense, monsieur, que Stravosgin n'était pas libre. Et tout semble vain autour de nous. Il est la plus grande des aliénations. Nous sommes cloués au pardon comme l'est Jésus à la croix. Ce pardon que nous devons donner est bien trop illusoire, tant le gouffre se creuse entre le bourreau et notre désespoir. En réalité, le pardon n'a jamais été le choix de notre raison. Sociale, est-ce que vous ne pensez pas que c'est justement le contraire qui se passe dans notre monde actuel et qu'on a beaucoup plus tendance à vouloir s'enfermer, défendre notre ego
vouloir à tout prix avoir raison, et que justement pardonner c'est un choix difficile, c'est un choix qui sort de la norme, et de ce point de vue-là qu'il révèle quand même une forme de liberté. Non, je ne pense pas, parce que notre société se base sur des conséquences historiques. Notre société est judéo-chrétienne, et c'est les valeurs de ces religions qui font notre société aujourd'hui. Et dans ce cas, le pardon, il est imposé, car il est moral de pardonner. Ce n'est pas un choix que l'on décide, c'est une pression sociale et religieuse. Mais dans ce cas-là, comment vous expliquez qu'on ne voit nulle part à la télévision, dans la rue, partout, qu'on ne voit nulle part des gens qui pardonnent? Est-ce que vous avez beaucoup d'exemples de titres, de journaux, d'éléments comme ça qui nous rappellent que le pardon est quelque chose de si fréquent comme vous pensez le dire? Est-ce que pour vous, le pardon règne véritablement dans nos sociétés? C'est surtout que aujourd'hui, on pardonne, avec les réseaux sociaux, on pardonne tout le temps, en réalité. Cette capacité unique lui offre la possibilité de développer une infinité de concepts. C'est bien parce qu'il pense que l'homme existe et à travers lui, cette multitude de notions. Et parmi elles, l'homme a imaginé le pardon, le fait de tirer un trait sur une offense dont il a été victime. Cependant, laisser de côté ce mal qui lui a été fait est une tâche ardue. Alors qu'à l'inverse, refuser cela, quitte à rendre l'appareil à celui qui nous a blessés, est un réflexe inné. De prime abord, l'homme n'acquitte pas, et l'impardonnable existe bien avant le pardon. Ainsi, l'existence de l'impardonnable ne fait aucun doute, car primo, elle est attestée par le désir de vengeance chez l'homme, et secondo, car c'est un socle nécessaire sur lequel se construit notre société. En 945, le prince Igor de Kiev était assassiné par un peuple voisin. Les assassins voulaient marier sa veuve, la princesse Olga, à leur chef. Mais usant de ruse, elle fit exécuter tous les émissaires et les nobles. Et non satisfaite, elle décida d'envoyer des oiseaux munis de mèches enflammées survoler leur capitale afin de réduire en cendres la ville des coupables. Comment comprendre cette vengeance autrement que par le désir ardent de se faire justice soi-même? Quelles pouvaient être les motivations, sinon faire souffrir les meurtriers de son époux? Si la princesse Olga a agi ainsi, c'est bien qu'elle refusait catégoriquement de pardonner les assassins de son mari. Car l'impardonnable fait partie de nous. Il est dans nos instincts primaires. L'homme sera toujours confronté à la vengeance, ni directement de l'absence du pardon qui est inhérente à l'homme. Ce désir qui sommeille en chacun est bien la preuve que l'impardonnable existe et qu'il fera toujours partie de nous. Cependant, il faut bien comprendre que refuser d'accorder son pardon n'implique pas forcément cette volonté de représailles. Si le désir de vengeance est une conséquence de l'impardonnable, il n'en reste pas moins un cas rare et non un aboutissement inévitable. En effet, on peut très bien s'abstenir de pardonner sans pour autant vouloir se venger. Plus qu'une réaction obsessionnelle, l'impardonnable est à l'origine une lueur qui nous éclaire et dont nous avons besoin. Il s'agit par là d'un outil indispensable sur lequel nous nous appuyons au quotidien pour pouvoir construire sereinement notre lendemain. Car l'impardonnable est bien un fondement de la société. Elle doit cultiver perpétuellement cet instinct primaire humain, car il lui est nécessaire pour assurer sa stabilité et sa pérennité. Il ne faut en fait pas considérer l'impardonnable comme le responsable d'un chaos anarchique. C'est tout le contraire. Il s'agit en réalité d'un phare
bâti par une communauté qui lui indique les écueils à serrer sur lesquels elle risquerait de s'échouer. Impardonnable devient dès lors une construction de la société elle-même qui préserve les normes éthiques ô combien essentielles à son bon développement. En fixant des limites au pardon, la société exclut catégoriquement les actes les plus odieux qui menaceraient de la détruire. Si on considère notamment les génocides ou autres crimes contre l'humanité comme impardonnables, c'est bien dans l'unique but d'en protéger la société. L'impardonnable est essentiel car il permet de définir et de bannir tout ce qui pourrait la mettre en péril. Sa conscience contribue ainsi à maintenir la dignité humaine et les responsabilités individuelles. L'entièreté des rapports qu'entretiennent les gens les uns avec les autres, les racines mêmes de notre société proviennent de l'impardonnable. Impardonnable est par nature présent en chacun de nous. Si dans de rares cas ce feu peut nous brûler et nous mener sur le chemin de la vengeance, il n'en reste pas moins à l'origine une lueur chaleureuse qui nous éclaire. Alors plutôt que de chercher à l'éteindre à tout prix, il est au contraire nécessaire de l'alimenter. Car si l'homme a su s'élever et la société se construire de la sorte, ils le doivent sans aucun doute à l'existence de l'impardonnable. Même si le pardonnable est apparu après l'impardonnable, n'est-il pas, dans sa nature, applicable à toutes les situations? On ne peut pas tout pardonner. Non, on ne peut pas tout pardonner car le pardon a été créé pour pouvoir débloquer certaines situations, éviter certaines impasses. On peut se retrouver dans des cas où il est nécessaire de tirer un trait pour avancer. Mais l'impardonnable n'est pas obsolète. C'est lui-même qui est le garant du bon fonctionnement du pardon. C'est l'impardonnable qui fixe cette limite, ce cadre au pardon et qui assure la société de pouvoir se développer correctement sans tomber dans des extrêmes. Et là-dessus, je ne suis pas d'accord du tout. Tout ce que vous faites, c'est de tracer des lignes entre ce qui est pardonnable et ce qui ne l'est pas, alors que le pardon est un mouvement d'amour qui lui-même ne devrait pas avoir de frontières, ne devrait pas être cerné. Et là-dessus, en fait, si vous considérez, je pense, si vous considérez les choses comme étant impardonnables, c'est que vous empêchez certaines victimes de pouvoir pardonner. Bah effectivement, nous ne sommes pas d'accord et c'est bien tout là l'intérêt de ce débat sur la question du pardon et de l'impardonnable. Non, je ne considère pas que certaines personnes sont interdites de pardonner, je dis simplement que l'impardonnable qui fait partie à l'origine de nous ne doit pas être éteint, car c'est un repère dont nous avons besoin pour nous rendre compte des choses et pour éviter toutes les dérives et la destruction de notre société. De l'omniprésence de l'impardonné, laissez-moi vous démontrer l'inexistence de l'impardonnable. On a déjà défini bien trois fois le pardon, mais j'aimerais revenir sur un point qu'avait souligné mon camarade Hervant, le renoncement. Le pardon, ce n'est pas juste tirer un trait, ce n'est pas l'oubli, ce n'est pas l'effacement, c'est le renoncement à haïr et à punir. Et donc, sacrifice. Sacrifice de la dette morale qu'on a envers quelqu'un, et donc pardonner, c'est difficile. Mais ce sera ma thèse. C'est pas parce que le pardon est difficile qu'il n'est pas possible dans toute situation morale. L'impardonnable n'existe pas, car tout simplement est pardonnable. J'aimerais donc vous dire deux choses ce soir. Il n'y a aucun fondement à l'impardonnable, même pas la gravité de la faute ou la monstruosité du fautif. Et puis j'aimerais vous dire que dégager l'existence de l'impardonnable, c'est tracer une ligne qui enferme la victime dans le ressentiment. Bref, l'impardonnable n'existe pas et il est bien dangereux pour les victimes d'affirmer qu'il existe.
On pourrait tout d'abord dire que l'impardonnable se fonde sur la gravité d'une faute. Mais non, ce serait se méprendre totalement et méconnaître que le pardon sort du spectre de la justice, car il est amoral. Rappelez-vous cette bonne vieille parabole du fils prodigue, on l'a tous vu en catéchisme. Un père, deux fils, un aîné un petit peu tanguy qui reste travailler au foyer familial, et un autre qui part, un petit peu plus exubérant, profiter de la vida loca babylonienne. Quand le cadet revient, sans le sou, la queue entre les jambes, le ressentiment paternel s'abattit. Le père pardonne, et on ordonne la fiesta au village. Et comme l'aîné, mon contradicteur de s'écrier, c'est pas juste! Le pardon est-il une question de récompense, de mérite, de froid calcul d'apothicaire moral? Non! C'est un acte d'amour, un acte profondément déraisonnable qui sort de tout calcul et sur lequel on ne pourrait tracer des lignes en disant ceci est pardonnable, ceci ne l'est pas. Il n'existe rien d'impardonnable car le pardon n'a pas à se justifier. Et à l'inverse, la gravité de la faute tend à rendre le pardon encore plus sublime, car le geste est d'autant meilleur que le tort pardonné est grand. Les grands pardons, ce sont justement ceux qui absolvent ce qu'on aurait cru impardonnable. Chez Corneille, Auguste, qui pardonne son plus proche compagnon, pour sa tentative de meurtre, l'Arlequin de l'île des Esclaves, qui pardonne Iphicrate pour une vie de maltraitance, le comte, la comtesse Alma Viva des Noces de Figaro, qui pardonne une tromperie faite par son mari sous ses yeux. On pourra donc goulûment tartiner autant de pathos qu'on voudra, on n'en obtiendra toujours qu'une tartine de moraline à l'opposé des vrais enjeux du pardon. La grandeur morale par renoncement à une dette punitive de comptable. Mais n'existe-t-il pas un moment où l'homme dépasse les bornes? Où il n'est plus question de pardon. Non pas à cause de la gravité d'un acte, mais de ce qu'il dit sur celui qui l'a commis. Attaquons-nous à l'éléphant dans la pièce? Peut-on pardonner le mal absolu? Peut-on pardonner l'inhumain? Peut-on pardonner Eichmann? Je rappelle pardonner, ni oublier, ni effacer, mais pardonner. Je suis convaincu qu'il faut pardonner même le mal le plus absolu, celui qui s'est détaché le plus de la considération humaine. Parce que le pardon véritable se fait toujours à l'échelle individuelle. Ce n'est pas nous, extérieurs aux atrocités, qui pardonnons ou non, mais ce sont les victimes à leurs tortionnaires. Et pardonner les libère. En 1943, Simon Bronowski est jeté à 11 ans dans un cachot de la Gestapo de Bruxelles. Après la guerre, il écrit une pièce de théâtre, retraçant son histoire, l'arrestation, l'emprisonnement. Et en 2012, à la fin d'une représentation, un homme se présente. C'est son geôlier qui vient lui demander pardon. Et les deux hommes tombent dans les bras l'un de l'autre. Gronowski écrit « Je lui ai pardonné uniquement en mon nom personnel. Je l'ai fait pour moi, car je m'en sens transcendé. » Et oui, le pardon, ce n'est pas qu'un acte de valeur. C'est aussi un acte de réconfort pour celui qui pardonne. Quand le crime est commis, c'est déjà trop tard, nous écrit Lévinas. Quand la barbarie nazie a été perpétrée, que peut-on y faire? On peut juger, mettre les coupables face à leurs actes, mais la punition n'équivaudra jamais le crime. Tout ce qui les reste, c'est le choix. L'enchaînement au ressentiment, ou, un jour, le choix du pardon. Et Gronowski choisit et appelle à choisir la libération. Dire que l'impardonnable existe, ce n'est pas comprendre les victimes. Dire que l'impardonnable existe, c'est dicter aux victimes un enchaînement à la haine. C'est oublier qu'il arrive toujours un moment de réalisation que cette haine n'a plus de sens que le pardon. Car ce qui est fait, est fait. Monsieur, dans vos différents choix, il me semble que vous en oubliez un. Comment pouvez-vous expliquer la vengeance chez l'homme autrement que par l'existence indéniable de l'impardonnable ? J'explique l'exigence de la vengeance par le calcul moral, de dette morale, c'est ça, qui est qu'on me fait un dommage, j'ai envie qu'on le répare. Et la question du pardon sort de tout cela, vu que justement on décide, on ne prend pas la question de la morale de ce point de vue de choses taboues qu'on ne pourrait pas pardonner. On considère à l'inverse qu'on
on a obtenu un dommage et qu'on le laisse passer. Mais monsieur, nous sommes alors à peu près d'accord. Vous refusez de tirer un trait sur l'offense qui vous a été faite. Donc vous refusez de pardonner l'offenseur et c'est pour ça que vous vous vengez. C'est bien pour ça que je fais une différenciation entre l'idée d'un pardonné et d'impardonnable. C'est-à-dire que l'impardonné n'est pas encore pardonné, mais il peut être pardonné. Et c'est bien pour cela que l'impardonnable n'existe pas. Quelque chose qui, de manière absolue, ne pourrait pas être pardonné, n'existe pas. Qui avait eu une idée géniale, empoisonner aux métaux lourds les égouts de Francfort pour, je cite, « tuer le plus d'Allemands possible ». Et à Backhovener de répondre, résigné, « Oh, vous savez, monsieur le commissaire, d'expérience, on ne vit pas franchement dans un monde de pardon. Je n'aime pas beaucoup le jeu, mais je dois jouer selon ses règles. » Brave, brave à Backhovener. Qui, ironie du sort, devient l'incarnation parfaite de la force d'esprit au sens nietzschéen. Un mélange de lucidité sur le fait que nous vivons dans un monde régi par la violence et de bravoure, celle qui consiste à toujours s'engager dans la lutte, même lorsqu'elle semble perdue d'avance, ne serait-ce que pour l'honneur. Alors ce soir, au diable l'évangile selon saint Matthieu, chers amis, je vous apporte l'évangile selon Abba Kovner. C'est un credo de fierté crâne, un bréviaire de bravoure, un évangile de vengeance. Nous sommes engagés malgré nous dans une lutte pour la puissance. Acceptez-le et vengez-vous. Ne tendez l'autre joue que pour mettre un bon coup de boule, jetez la première pierre avant de recevoir une brique. Car oui, le pardon n'est que la force des faibles d'esprit, et ce de deux manières. Déjà, il leur permet de faire culpabiliser les forts, et ensuite, il leur permet de mieux tolérer leurs conditions de victime. J'en viens à mon premier point. Le fait de faire du pardon un devoir moral permet aux faibles d'esprit de tenter de culpabiliser ceux qui sont suffisamment courageux pour essayer de se venger. Laissez-moi vous ramener un instant dans la cour du collège. Vous la voyez, cette petite brute goguenarde au QI à deux chiffres avec une virgule au milieu, qui s'amuse à vous mettre des petites clubs comme ça, juste parce que ça l'amuse? Votre instinct vous dit de ne pas vous laisser faire, de répliquer, de devenir enfin l'Ubermensch nietzschéen de la cour de récréation, et c'est parfaitement sain. Car quand les affres de la souffrance vous balafrent, lavez la fronde effraie, mais sous vos cris d'orfraie, une fierté frondeuse vous frappe, fait frémir votre front et vous pousse à frapper Fritz. J'aime à croire que l'agresseur s'appelle Fritz, toute germanophobie mise à part. Voilà, c'est fait, vous frappez l'impudent. Mais déjà, le pion arrive pour vous mettre 2 heures de colle. Il ne fallait pas répliquer, il fallait être un bon garçon, il fallait pardonner. Et tant pis si de gifle en gifle et de pardon en pardon, vous allez juste finir écrasé au sol en ayant perdu vos baskets, vos dents, votre honneur et plus si affinité. Il ne s'agit pas d'être glorieux, il s'agit d'être moral. Et oui, chers amis, depuis notre plus tendre enfance, nous avons été inoculés avec le poison du pardon. Pou, hibou, chou, genou, caillou, cajou, bijou, ployez sous le joug et tendez l'autre joug. Du serment sur la montagne aux bagarres sous le préau, les faibles d'esprit se sont concoctés une petite morale sur mesure, une morale d'esclave pour affaiblir ceux qui justement sont suffisamment forts pour essayer de se venger. Mais ce soir, chers amis, vous n'êtes pas dupes. Vous n'êtes pas des victimes. Vous n'êtes pas des bolos. Non. Ce soir, vous êtes aux côtés de Achille, qui revient pour venger son ami Patrocle, de Cyrano, qui ne voit pas les chines sous l'injure, et de Django Unchained, qui revient pour tirer sur son maître en grinçant « I like the way you die, boy ». Vous avez le courage d'être lucide. Ce monde est un combat pour lequel il convient de toujours rendre les coups, ne serait-ce que pour la beauté du geste. Car comme le dit Booba, comment ne pas être un pitbull quand la vie est une chienne? J'en viens à mon second point. Le pardon permet aux faibles d'esprit de mieux tolérer leur statut de victime
en la faisant presque passer pour une vertu. Et là, je me tourne vers mon honorable contradicteur, qui va sans doute vous expliquer avec des trémolos dans la voix qu'au contraire, le pardon nécessite une grande force d'esprit, car il faut la force de rompre le cycle de la violence, d'être gentil avec ceux qui sont méchants, et d'être plus vertueux que ceux qui nous ont offensés. Oh, c'est presque beau. Oui, mais c'est une morale absurde, inversée, façon Big Brother. La lâcheté, c'est le courage, la faiblesse, c'est la force, la veulerie, c'est le panache. Foutaise. Je peux me faire tromper par mon copain, harceler par mon employeur, arnaquer par la terre entière. C'est pas grave, je vous pardonne. Et ça n'est pas parce que j'ai une peur bleue du conflit et à peu près autant de colonnes vertébrales qu'un Bernard Lermite. Non, c'est parce que je suis plus fort que ça. Je suis grand, je suis sain, je suis moral. Mais enfin, personne n'est dupe. Et on voit bien que ces bons points de moralité sont juste là pour remplacer les bons points dans la gueule que vous n'avez pas le courage d'essayer de donner. Quand on est un paillasson, il est tentant de se dire que, vu sous un autre angle, on pourrait presque passer pour un manteau d'hermine. En bref, pardonner, c'est dire « Je suis une petite merde faible, mais au moins je suis une petite merde faible. Vertueuse !» Ainsi, chers amis, ne vous y trompez pas, rendez les coucous que coûte, car comme le disent les Écritures, il vaut mieux donner que recevoir. Comment un faible d'esprit a-t-il la capacité mentale et le recul nécessaire pour faire culpabiliser son agresseur? Mais parce que monsieur, vous vous méprenez sur le sens de faible d'esprit. Un faible d'esprit n'est pas quelqu'un de routeur. Un faible d'esprit est juste quelqu'un qui est trop lâche pour accepter que nous vivons dans un monde de violence dans lequel il combat de se battre coûte que coûte. Alors j'ai bien peur que vous confondiez le faible d'esprit, que vous n'avez d'ailleurs pas défini dans votre discours, et le faible de caractère. Le faible d'esprit, si je dois employer vos mêmes mots vulgaires que vous employez, c'est un neuneu un peu débile qui, en l'occurrence, ne saurait pas se positionner dans une position de force vis-à-vis de son bourreau. Alors, chers amis, puisque nous en sommes au point du lexique, vous confondez vous-même faible d'esprit et pauvre d'esprit. Je ne parle pas ici des pauvres d'esprit, je parle simplement de ceux qui sont trop faibles pour accepter la dure réalité du monde. Par ailleurs, vous conviendrez que j'ai défini la force d'esprit, que donc, par conséquent, ceux qui contreviennent à ces définitions sont bel et bien des faibles d'esprit. Merci beaucoup. À la négative, nous appelons Elie Métropole. C'est bien de commencer par assumer mon propos alors que je n'ai même pas encore pris la parole, et ça tombe bien, ou plutôt très mal pour vous, car je ne comptais rien dire de tout ce que vous avez insinué par rapport à mon discours en faisant les prédictions. Et il semblerait d'ailleurs, chère contradictrice, que vous confondez plusieurs notions pourtant diamétralement opposées. La force et la faiblesse, les esprits forts et les esprits faibles, en fait, vous commettez deux grossières erreurs dans votre discours. Le pardon n'est pas la force des faibles d'esprit, car 1. Le pardon est en réalité la faiblesse des faibles d'esprit, et 2. Le pardon est en réalité la force des manipulateurs. Premièrement, le faible d'esprit, si l'on veut le décrire, puisque cela n'a pas été fait, et qu'on veut raisonner par des implications apparemment, c'est un crédule. Quelqu'un qui se laisse facilement influencer et manipuler, qui manque de jugement et de résilience émotionnelle. C'est une personne qui manque de discernement, qui, par exemple, ne saurait pas faire la distinction entre une force et une faiblesse. L'accord du pardon chez ces personnes est une forme de soumission, d'assujettissement, de capitulation face à autrui. Ils pardonnent trop souvent, trop aisément, parce qu'ils ne réfléchissent pas par eux-mêmes, parce qu'ils ne prennent pas suffisamment de recul, parce qu'ils sont trop manipulables. Pourtant, le pardon est effectivement un acte puissant, un acte qui requiert souvent beaucoup de temps et beaucoup de réflexion. Accorder son pardon trop facilement, sans raison valable qui plus est, signifie accepter que l'on nous blesse sans véritable compréhension des blessures qui nous sont infligées, sans recul suffisant pour comprendre ce que pardonner représente, ce que cela implique vis-à-vis du pardonné. Et ça, ma chère contradictrice, ça n'a rien d'une force, c'est une grande... Deuxièmement, maintenant,
Le pardon est effectivement une force, la force des manipulateurs, comme j'ai pu le dire. Et il n'est pas d'ailleurs dans ce débat question de savoir si le pardon rend certains plus forts ou non. Car oui, beaucoup pardonnent lorsque les excuses qui leur sont adressées paraissent sincères et qu'ils ont pris le temps pour y réfléchir. Ils peuvent en ressortir plus forts, certainement. Mais ce qui nous intéresse ce soir, c'est de savoir chez qui le pardon est une force. Chez qui, en d'autres termes, le pardon est une arme. Le pardon, loin d'être l'apanage des esprits faibles, est un instrument de pouvoir que les manipulateurs savent manier pour asseoir leur domination sur l'autre, pour garder une forme de contrôle, d'emprise sur l'autre. En adoptant une position de pardonneur, ils se placent au-dessus de ce qu'ils pardonnent, de la même manière que Dieu, associé à la figure du Tout-Puissant, pardonne nos offenses. Cette posture octroie alors aux manipulateurs une autorité mentale, une autorité morale sur son sujet. Un rapport de force paradoxal s'établit alors naturellement. Le pardonné devient une misérable victime et le pardonneur, dans toute sa splendeur, dans toute sa grâce, en acceptant d'accorder son pardon, devient bourreau. Le pardonné lui est alors assujetti, conscient de ce sursis qui lui est accordé par cet être résilient et fort, de cette grâce qui lui est faite. Le pardon est pour lui une libération, mais aussi et avant tout, le pire des châtiments. Voyez dans le parrain, lorsque Fredo trahit sans le savoir Michael et la famille Corleone en travaillant pour des familles rivales. Michael, alors parrain, d'ailleurs habile d'esprit, intelligent et manipulateur, est profondément blessé. Et c'est sa sécurité et celle de sa famille qui est mise à mal. Il finira quand même par accorder un pardon sincère à Fredo, désireux de préserver ses liens familiaux avec son aîné, qu'il aime malgré tout. Pourtant, ce pardon établit aussi des limites claires quant à la place de Fredo dans la famille Corleone. Il deviendra alors un simple pantin, destiné à rester en marge de la famille, rongé par la culpabilité, par son incapacité à assumer de grandes responsabilités. En revanche, du côté du faible d'esprit, le pardon est une arme qui se retourne contre lui, car il ne sait pas la manier, car il se laisse berner par celui qui en détient réellement les commandes. Le parfait exemple est celui du gentil conjoint, trop crédule, trop naïf, qui pardonne encore et encore à sa moitié pour ses infidélités, pour finalement se faire tromper encore et encore. Il ne vous viendrait jamais à l'esprit de confier une arme à un manchot. Alors, ne voyez pas comme une force le pardon accordé par quelqu'un qui ne saisit pas, qui ne mesure pas la grandeur de cet acte. Et n'encouragez surtout pas un tel pardon, car il affaiblirait davantage les faibles d'esprit, plutôt que de les éveiller. Pardonner, pardonner véritablement, appartient aux esprits forts. Le pardon est leur force. Le faible d'esprit ne sait pas véritablement pardonner. Il distribue des pardons à gauche et à droite, sans en saisir la symbolique. Les faibles d'esprit ne comprennent pas le symbole porté par le pardon. À vrai dire, c'est eux que l'on devrait pardonner. Et moi, chère contradictrice, je vous pardonne. Cher contradicteur, vous êtes trop bon. Merci pour votre argumentaire. Il semble qu'on ait un problème de définition. Sur lequel je ne vais pas revenir, mais étant donné que vous avez choisi, à mon sens, assez fautivement, de définir les pauvres d'esprit comme des sots, et donc de nous démontrer pendant tout votre argumentaire que les sots avaient des difficultés de compréhension, oui. Est-ce que vous ne pensez pas toutefois qu'ils peuvent quand même bénéficier du pardon, qu'ils sont trop sots pour se défendre, à l'inverse, le pardon leur profite? Alors déjà, premièrement, vous dites bien les pauvres d'esprit, alors que tout à l'heure vous disiez que pauvres d'esprit et faibles d'esprit sont deux choses opposées, donc il y a là un premier paradoxe. Secondement, le pardon accordé par les faibles d'esprit, à leurs yeux, peut paraître comme un pardon sincère, mais en réalité, ils n'en comprennent pas la valeur et n'en ressortent pas ni plus fort, et ça ne constitue absolument pas une force pour eux. Alors, je vais tenter de caler sur votre définition pour faire vivre le débat, on va dire presque par esprit sportif, mais de fait, si on a inventé deux mots, pauvre d'esprit et faible d'esprit, c'est peut-être parce que ça désigne subtilement deux réalités différentes. Alors, déjà, pauvre et faible sont en réalité deux synonymes, de la même manière que l'on peut dire qu'un sel est pauvre ou faible en sodium, ça signifie la même chose. Secondement, vous ne vous êtes pas chargé de définir ce qu'était un faible d'esprit.
alors que c'était votre rôle. On ne peut pas raisonner par des implications opposées. Vous êtes à HEC, peut-être que vous ne le savez pas. Nous faisons de l'ingénierie et des mathématiques. Quelque chose qui implique une autre ne signifie pas que cette chose implique la chose inverse. Il faut une équivalence. Vous avez défini l'esprit fort. Vous ne pouvez pas raisonner par contraposé de la sorte. Et en l'occurrence, ça ne fonctionne pas de cette façon dans la vie ou ailleurs. Avec le temps. Le pardon, c'est le fait de ne plus tenir rigueur d'une faute. Cela n'implique ni l'oubli, ni l'indifférence. Alors tout de suite, cela réduit drastiquement le nombre de participants à la compétition et en fin de compte, il est facile de désigner le vainqueur. La mort est d'une part l'ultime étape afin d'atteindre la paix avec soi-même. Et d'autre part, elle est la seule à pouvoir s'élever au-devant de la vie et lui pardonner les souffrances qu'elle cause. Voyez, les humains aiment à penser que les bonnes actions qu'ils entreprennent sont le fruit de leur propre volonté. Ils en oublient qu'il existe quelque chose qui est à l'origine de ce comportement. Tous, ici, autant que nous sommes, nous ne pouvons y échapper. La mort. C'est la conscience de cette fatalité qui nous permet d'être miséricordieux avec autrui. Nous pouvons relativiser les fautes qu'un individu a commises envers nous, car nous savons que notre temps ici est limité et que nous devons en tirer profit le plus possible. Aujourd'hui, nous sommes, et demain, nous ne serons plus. Aujourd'hui, nous vivons. Nous aimons, nous souffrons, nous pardonnons, et demain, nous ne serons plus. Et quand bien même nous n'avons pas réussi à pardonner une personne lorsqu'elle était encore en vie, rien ne nous empêche de ne plus tenir rigueur de ses offenses une fois défuntes. En effet, les individus ont souvent plus de respect et de déférence pour les morts qu'ils n'en ont pour les vivants. Quand une personne meurt, nous nous remémorons ses bons côtés. Ainsi, vivant ou défunt, la mort permet de pardonner à autrui. Il en va également de la relation que nous entretenons avec nous-mêmes. On ne peut se pardonner soi-même qu'à travers la mort. Elle est ainsi l'ultime étape, et donc la plus grande, de la paix avec soi-même et autrui. C'est par la mort que les hommes puisent la force de pardonner. Alors, cette faucheuse, redoutée par tellement, est en réalité celle qui nous rend miséricordieux. Mais elle ne s'arrête pas là. Cela n'étonnera personne si l'on affirme que notre temps ici est complexe. Chaque personne est unique. Nous sommes nés avec nos différences. Et plus nous avançons sur le chemin de la vie, plus nous pouvons creuser le fossé des différences qui nous lient. Certains vivent dans la richesse, alors que d'autres n'auront connu que les souffrances de la guerre. Certains naissent en bonne santé et d'autres sont confrontés à un handicap. Ces distinctions culturelles, sociales et économiques sont le fruit de la vie. Alors, si inégalité, division et distinction existent durant notre temps sur Terre, sachez que la mort le pardonne à la vie. Elle lui pardonne les douleurs et les difficultés que nous avons dû endurer.
car chacun est mis au même pied d'égalité devant la faucheuse. La mort pardonne les épreuves dures imposées par la vie, en libérant l'homme de ses souffrances physiques et mentales. C'est bien elle qui ne cesse pas de tenir rigueur des offenses de la vie, en nous offrant tous, sans exception, un repos éternel. C'est bien elle qui est miséricordieuse envers la vie. Ainsi, la mort, notre ultime rédemption, est à l'origine de tous les pardons des hommes et pardonne à la vie. N'est-ce pas là la démonstration de la grandeur de la miséricorde de la mort ? Elle est donc la plus grande des pardonneuses dans la quantité des pardons accordés, mais aussi au vu de l'importance du pardon envers la vie. Alors, le vainqueur de cette compétition, celle qui pardonne sans condition, oui, cette médaille d'or ne peut qu'être décernée à la mort. Famille, par exemple, lorsqu'un tonton a cassé le vase de votre grand-mère que vous aimiez bien et qu'il meurt, oui, vous alliez lui pardonner, bien sûr. Mais lorsqu'on parle de vraies victimes, de vrais crimes, je ne pense pas qu'elle pardonne à leur bourreau lorsqu'elle meurt. Désolé de prendre des exemples un petit peu extrêmes, mais pensez-vous par exemple que des victimes de viol, de meurtre, de génocide vont pardonner à leur bourreau juste parce qu'il a eu le bon coup de mourir ? Non, je n'ai pas insinué tout cela. Je dis juste que la mort permet en effet à certaines victimes de pouvoir pardonner leur bourreau, car nous pouvons maintenant avoir le recul de se dire « Très bien, je donne mon pardon à ce défunt. » Mais cela n'implique pas une généralité, ce n'est pas une règle que tout le monde doit pouvoir suivre. Là encore, je pense que c'est une erreur, parce que je pense que vous faites l'écueil dans lequel vous avez dit qu'il ne fallait pas tomber au départ, c'est-à-dire de confondre le pardon et l'oubli. Je pense que lorsqu'une personne meurt, en effet, il y a une facilité à dire « oui, je lui pardonne », mais ce n'est pas un vrai pardon. C'est simplement qu'on sait qu'elle va être oubliée, qu'on n'a plus à la voir tous les jours, qu'on n'a pas à subir en face les torts qu'elle nous causait, et qu'il y a aussi une forme de convention sociale qui fait qu'on ne crache pas sur les morts. Et oui, on ne peut pas cracher sur un mort, ce n'est pas accepté socialement. Et donc je pense ici, mais j'essaierai de le démontrer tout à l'heure, juste après, que lorsqu'une personne meurt, même dans les cas que vous citez et dans lesquels je suis à peu près d'accord sur les conventions sociales, ce n'est pas une forme de pardon, simplement une forme d'oubli facile. Le fait de ne plus tenir rigueur d'une faute, que la personne soit vivante ou morte, reste un pardon. Et donc je ne vois pas de problème à pardonner un mort. Entrez ici, laissez toute espérance. C'est par ces mots que Dante, accompagné de Virgile, franchit les portes des enfers. Si j'ouvre mon propos par la divine comédie, ne vous attendez pas à une ambiance comique. Oui, ici on va parler mort et châtiment, supplice, enfer, jugement dernier, faucheuse et enterrement. Car si j'ai bien eu une certitude sur la mort, c'est qu'elle ne pardonne jamais. La mort condamne, la mort punit, la mort châtie, mais la mort ne sait pas pardonner. D'abord parce que pour pardonner, il faut un cœur. La mort, elle, telle la statue du commandeur de Don Juan, a un cœur de pierre, ou plutôt un cœur en fer. Elle arrache, avec la plus grande cruauté, des parents à leurs enfants, des enfants à leurs parents, fait pleurer, hurler, crier de douleur. Mourir, ça ne pardonne pas, demander à Orphée, pas de retour en arrière. Vous savez, on ne le dit pas assez. Mais la mort tue,
Elle va vous tuer, vous, dans d'atroces souffrances, demain peut-être. Aussi me paraît-il indéniable que cette mort qui va vous assassiner et vous arracher à vos proches pour l'éternité n'a pas ce côté humaniste et bienveillant nécessaire au pardon. Le pardon, tout est dans le mot, est avant tout un don, gratuit. La mort ne donne pas, elle prend et vous le fait payer cher de votre vie. Pour prendre une analogie un petit peu plus festive, quand on meurt finalement, c'est un peu comme à Noël. Et oui, il fait froid. Il y a un grand sapin qui sert de bois au cercueil, on retrouve sa grand-mère qu'on n'avait pas vue depuis longtemps. Un prêtre fait une longue homélie, et puis surtout, on est récompensé si on a été sage, et on est puni si on a fait des bêtises. Et si vous avez fait trop de bêtises, vous êtes condamné pour l'éternité, car la mort juge, et c'est un juge incorruptible, inflexible. La balance des âmes égyptiennes, le royaume d'Hadès, le Valhalla viking, le jugement dernier chrétien, la maison du druge de Zoroastre, on n'en parle pas assez de celle-là. Peu importe le système de pensée ou de croyance, vous n'amadourez ni Cerbère, ni Saint-Pierre, direction les enfers. Et alors là, les enfers, ça pardonne pas. Hein. Ça y va, hein. Entre le tartare grec avec Tantale, Sisyphiction, les 10 enfers taoïstes chinois qui vous cuisent le cerveau des peintres libertins pour le remplacer par un hérisson en feu, les 136 types d'enfers bouddhistes, visant à finalement vous réincarner en une mouche à mer dans une décharge du Bangladesh, la mort, elle est plutôt imaginative, hein. Et n'essayez pas de la pitoyer. Pour citer une description des enfers musulmans, à sa mort, si cela pouvait le sauver, le coupable souhaiterait pouvoir se racheter du châtiment en livrant son époux, ses épouses, son enfant, son frère, tous ceux qui sont sur terre s'il le faut. En aucun cas, l'enfer est un brasier ardent, arrachant brutalement le cuir chevelu, l'eau bouillante se déversera sur sa tête, s'infiltrera jusqu'à son abdomen, elle déchirera ses entrailles et sortira par ses pieds. Quand même. Et qu'on ne parle pas d'une quelconque mort athée. Revenir à un néon de poussière et se faire dévorer par les vers de terre n'est pas exactement la plus grande forme de miséricorde. Cette mort, et elle est pire qu'immorale, elle est amorale. Et vouloir lui greffer une forme de pardon, valeur morale par excellence, est un non-sens philosophique et étymologique. Mais assez parlé d'en haut. Revenons en bas. Et sur la terre alors, pardonne-t-on à quelqu'un dès lors qu'il meurt? La réponse de ma contradictrice semble être oui, et vous allez me dire vous aussi que oui, on ne crache pas sur les morts. Aux enterrements, on entend toujours « Xavier était gentil, il disait bonjour aux voisins, il aimait beaucoup sa famille et sortir sur sa terrasse. » Hypocrite. Tout le monde sait très bien que les paroles à un enterrement ne sont que des mensonges d'un cirque social visant à se donner bonne conscience, mais qu'en réalité, vous aviez personne ne pouvait le blairer. Et si vous vous retrouvez seul face au cercueil, vous allez pisser sur sa tombe. Les morts ne sont pas pardonnés, juste oubliés. Pour se faire pardonner les vivants, on se rachète. On expie sa faute. On demande pardon. Et on répare, tant que faire se peut, les torts qu'on a causés. Le pardon se mérite. Il n'y a aucun mérite à mourir. Vos crimes vous suivront dans la tombe. Si je devais résumer la substantifique moelle de mon propos, je vous dirais ceci. Un salaud mort reste un salaud. La mort le sait, le jugera et le châtiera en tant que tel. Les hommes, bien qu'hypocrites, ne s'y trompent pas. Ils ne laissent pas leur rancœur au cimetière. Aux grandes âmes de Judas, et puisqu'on en a parlé ce soir, Hitler, mourir ne suffira jamais à se faire pardonner. Pourquoi n'est-ce pas la vie qui punit les hommes en causant les maladies et les handicaps? La mort également. Ce n'est pas exclusif. La vie peut punir, mais c'est la mort qui prend. La vie fournit le cancer, la mort fait faire l'arrêt cardiaque. En réalité, ce ne sont vraiment pas de notions exclusives. Et c'est, je pense, là toute erreur. Voir la vie comme la grande punitrice et la mort comme la grande salvatrice. Il faut peut-être se résoudre à la pensée pas forcément sympathique, mais pourtant je pense réaliste, que et la vie et la mort ne sont pas des grandes pardonneuses. Et pourtant, toutes les souffrances de ce que vous appelez, vous, la mort, se déroulent durant la vie. Et la mort ne fait qu'accueillir les personnes défuntes après. Oui, en effet. Mais ça ne veut pas dire qu'elle leur pardonne. Je ne vois pas le rapport. Vous avez une personne qui souffre sur terre, qui meurt. En quoi est-ce une forme de pardon? Pardon de qui? Pardon de quoi? Pardon pour qui?
non. Si vous croyez en une mort athée, vous allez simplement devenir des vers de terre et vous faire bouffer sous votre cercueil, j'appelle pas ça être une forme de pardon. Et comme j'ai dit, si vous croyez en une quelconque forme de croyance ou de pensée un petit peu spirituelle ou mystique, au contraire, la mort va vous juger, et si vous avez fait des tas, la mort va vous punir. Donc dans tous les cas, je ne pense pas que la mort pardonne. Commencer par faire des retours duel par duel très rapide parce que sinon on va finir par nous mettre dehors et ce n'est pas le but. Donc qui veut commencer pour le premier duel? Alors le premier duel, alors c'est bon, j'ai perdu ma feuille. Avec du coup l'avantage de ma feuille c'est qu'il y avait ton prénom, donc je l'ai oublié. Hiervente, c'est ça, merci beaucoup. Hiervente face à Corentin. Alors je vais pas trop m'attarder parce que le pôle ferme bientôt mais pas la rue, donc je vais pouvoir développer davantage après. Donc le pardon est-il une forme de liberté? Ce que je peux dire très rapidement c'est que nous avons eu côté HEC quelque chose d'assez attendu et sur le fond et sur la forme, ce qui n'est pas un défaut. Ce qui était du coup pas forcément une prise de risque mais qui était quand même assez agréable à t'écouter, et on suivait à peu près tout ton discours et tout ton argumentaire de manière assez simple. Donc à ce niveau là on va te remercier pour cela. Côté la joute de Vinci, on avait eu un petit peu plus l'inverse, dans le sens où c'était un peu plus une prise de risque mais qui avait parfois pour défaut de nous perdre un petit peu. Non pas sans qualité, mais du coup je sais pas si vous voulez rajouter des choses. On continuera après. Bon voilà, c'était le retour très rapide. Donc peut-être annoncer le gagnant quand même. Oui. On peut annoncer le gagnant tout de suite, ça marche. Oui. Du coup la victoire pour le premier choc revient côté HEC. Du coup le deuxième choc, l'impardonnable existe-t-il, opposé Théo côté Joute de Vinci à Antoine côté HEC. C'était un très bon choc des deux côtés, ça y a pas de doute. Ce qui a pesé dans notre balance, c'est que du côté de Théo, tu n'as pas fait la différence, et c'est ce que t'as reproché Antoine, entre le non pardonné et le non pardonnable, c'est-à-dire ce qui n'est pas possible de pardonner, ce qui dans les faits n'est pas pardonné. Et c'est ce qui fait que du point de vue de l'argumentaire et de la rigueur, on avait quelque chose de plus solide côté HEC, et comme on avait des deux côtés une forme qui était très bonne, des orateurs qui savent s'exprimer et qui s'expriment avec conviction, la victoire pour ce choc est revenue à Antoine, donc à HEC. Alors pour le troisième duel qui opposait Anna contre Elio, c'était un très 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 bon duel, je pense que tout le monde s'en est rendu compte, vous êtes deux orateurs qui sont très brillants. Ce qui nous a convaincus de donner la victoire d'un côté plus qu'à l'autre, c'est l'avantage d'être à la négative, c'est la force de réfutation, c'est de reprendre et de ne pas se laisser déstabiliser par la personne à la positive, et c'est pour ça que la victoire revient pour le troisième duel à la Joute de Vinci. Pour le dernier choc qui opposait donc Camille du côté de la Joute de Vinci à Arthur sur le sujet « La mort est-elle la plus grande des pardonneuses ?», on avait là encore deux formes excellentes, toutes les deux très différentes. D'un côté, une voix très posée, très calme et assez docte. De l'autre côté, quelque chose d'un tout petit peu plus enthousiaste, un tout petit peu plus enflammé. Et des deux côtés, il y a eu une petite perte de temps sur le sujet, à se demander si la vie prend, si la mort donne, etc. Quelque chose de, qui donnait une qualité de personnification à la mort sans toujours la justifier. Donc ça, c'est des deux côtés quelque chose peut-être à travailler quand vous analysez votre sujet. Mais on a senti d'un côté, peut-être plus que l'autre, une voie de sortie qui a été plus affirmée, avec l'idée d'une mort peut-être plus neutre, qui ne donne ni ne prend, et donc quelque chose de plus affirmé de ce côté-là, et qui nous a plus convaincus, et c'est du côté d'HEC, donc on a donné la victoire sur ce choc à HEC. Bon, du coup, vous l'aurez compris, le point du meilleur orateur ne changera pas l'issue de ce match, c'est pour cela que...
Vu qu'on a eu du mal à se décider et qu'on n'a pas pu se décider, nous aurons du coup un meilleur orateur de chaque côté. Du côté d'HEC, ce sera Antoine. Et du côté de la Joute de Vinci, ce sera Elio. Peut-être rapidement un mot sur ce choix. On a hésité entre les deux, indépendamment de leurs équipes. D'un côté, parce que du côté d'Antoine, on avait quelque chose d'extrêmement rigoureux, d'extrêmement clair, avec une forme qui suivait tout à fait et qui était même très, très agréable à suivre. Et de l'autre côté, chez Elio, un vrai charisme, une volonté et une rage de vaincre qui se sentait et qui n'était pas du tout néfaste ou quoi que ce soit, mais vraiment très, très positive. Mais parfois, quelque chose qui manquait un tout petit peu de rigueur, notamment on avait du mal un peu plus à te suivre. C'est ce qui fait qu'on a hésité entre les deux et pressé par le temps, on a décidé de ne pas choisir. Voilà.